strikes by my window. It's my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pause. Avant de commencer, je voulais savoir si vous aussi vous avez plein de boutons sur le bas du visage à cause du masque. Et si oui, est-ce que vous avez trouvé une solution pour vous en débarrasser? C'était la petite parenthèse du jour, maintenant on peut continuer. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée avec moi. Alors là, on est le dimanche 8 novembre, ça fait officiellement 4 jours que je suis confinée. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, là je suis toujours à Londres et un confinement a été annoncé également en Angleterre depuis le 5 novembre. Aujourd'hui je vais sortir un petit peu me promener parce que depuis jeudi je suis pas du tout sortie, je suis restée tous les jours chez moi. Il faut que je fasse aussi des courses et je vais pouvoir voir Yasmine parce que pour vous expliquer un petit peu, je trouve que les restrictions du confinement anglais sont mieux faites que les françaises. Après je sais pas lequel est plus efficace si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas ici on a le droit à une support bubble, ils appellent ça comme ça. Donc pour les personnes qui vivent seules, vous avez le droit d'avoir une bulle de soutien. En traduisant littéralement, ça veut dire ça. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous entourer de 3 personnes maximum, donc prendre 3 personnes de votre entourage que vous pouvez voir. Donc ça veut dire que par exemple Yasmine peut venir dormir chez moi, on peut aller se promener ensemble, tout ça. Donc je trouve que c'est quand même bien parce que imaginez-vous ce à quoi aurait ressemblé mon confinement si je devais rester confinée ici toute seule, ça aurait été affreux. Alors que là, du fait que je puisse voir Yasmine et d'autres personnes, c'est un peu moins déprimant et je me sens beaucoup moins seule. Donc je vais vous montrer toute notre journée, on ira se promener un peu dans les alentours de chez moi et ce soir on fera une petite soirée film entre nous et du coup voilà. Là il est 11h30, je vais commencer par faire mon lit, ensuite aller m'habiller et après je sais pas à quelle heure exactement on va se rejoindre, elle me dira quand elle est prête et voilà, donc c'est parti. Ça y est, je suis habillée, donc aujourd'hui petite tenue très simple, j'ai mis ce pull avec un petit pantalon comme ça, des baskets et je vais mettre cette veste après. Là Yasmine va pas tarder à arriver, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle est dans le bus, donc je vais vite descendre en bas de chez moi, faire quelques courses, il me faut à peu près 20 minutes, enfin très rapide, et ensuite comme ça quand elle arrivera on pourra aller se promener. Donc c'est parti, je vous emmène. Je viens de remonter avec mes courses. J'ai retrouvé notre chère Yasmine. Et maintenant, il faut que je les range et ensuite, on va sortir se promener. Les courses sont rangées. Maintenant, c'est parti pour notre grande sortie de la semaine. On est excités comme jamais. On s'est habillés et tout. On a l'impression que c'est la rentrée des classes. Ça, c'est notre monument préféré de Londres. Ah ouais. Le Shard, c'est la tour la plus haute et c'est trop beau. Faut savoir que c'est limite de l'obsession quoi. Ouais, depuis la première année on fait une obsession sur ce bâtiment. Ouais. Regardez, je les adore. Il y en a un autre là-bas. Dommage, on n'a pas à manger sinon il se sera approché. Vous vous en doutez bien, c'est notre sortie de la semaine, donc on en profite pour faire des photos. Of course. Et là on se promène, il fait beau, enfin non il fait pas très beau mais... Beau ouais c'est un grand mot quoi. Pour Londres... Il pleut pas. Non voilà, pour Londres pas. On peut considérer ça comme un beau temps. Tant qu'il pleut pas c'est un beau temps. Ouais. Mais ce qui est bien c'est qu'il fait pas froid. Il fait 16 degrés je crois et du coup on se sent pas les mains glacées ou quoi. Et c'est agréable. Et là du coup on va aller dans un parc. Yes. Doesn't make it easy. The
another piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Je vous filme pour montrer que moi aussi je fais le porte-manteau parfois. J'allais te dire ça aussi. Voilà. Ça c'est pour faire genre qui fait pas. On va le mettre là. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I've been. Nous voilà arrivés dans le petit parc où il y a quand même pas mal de monde pour un confinement. Confinement ? Confinement, vraiment, parce que là, on a croisé tellement de monde dans la rue qui se promenait. Mais en fait, ce qu'on se disait, c'est que j'ai l'impression que le confinement, c'est contradictoire. Enfin, ça fait tout le contraire de ce que c'est censé faire. Après, ça dépend où, genre dans les pays où c'est plus strict, non, mais ici, ouais. Mais là, à partir du moment où ils ont annoncé le confinement, ben, dans le cerveau des gens, ils se sont dit « Ok, il faut sortir parce que sinon on va rester enfermé pendant longtemps. Enfin, » je sais pas, bon, nous on parle mais on fait exactement pareil. Voilà, non, quoi. Moi je connais des gens qui ont fait des fêtes de confinement quand même. Ouais, moi aussi j'en ai vu des snaps, même en France. Et donc c'est pas très productif, quoi. Voilà. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Petit goûter, il est 16h, salut. On a trouvé une mini boutique qui fait des petits gâteaux dans le parc. Et du coup j'ai pris un gâteau et un chocolat chaud. Nous voilà rentrés. De toute façon on n'avait pas trop le choix, il est 16h30, il fait déjà nuit. C'est déprimant ça. En effet c'est hyper déprimant. Ouais. Et j'ai les cheveux qui ont gonflé, c'est une catastrophe. D'ailleurs, on était en train de se dire que en première année, en fait, la première année d'études à Louvre, elle nous a fait réaliser à quel point le soleil était important, ouais, dans nos vies. Parce que moi, en venant de Corse et Yasmine de Marrakech, vous vous doutez bien que le soleil est le centre de nos vies. Alors là, on vient de rentrer, on a mis des trucs un peu plus confortables. J'ai posté ma photo du jour sur Insta. J'ai mis celle-là, vous savez, c'est celle qu'on avait faite avec Yasmine, comme d'habitude, mon acolyte, à Somerset House. Je vous ai montré ça dans le partner vlog. In cry. Je vous ai montré ça dans le vlog de la semaine dernière. Et bref, donc voilà, là je l'ai posté. Et ensuite, là il est 17h. Donc on va s'occuper un peu, peut-être regarder un film, je sais pas, on verra. Et ensuite on s'est dit qu'on allait commander des pâtes. C'est un peu ridicule, mais on a trouvé un resto italien qui fait de très bonnes pâtes sur Uber Eats. C'est pas des donc, pâtes en mode des pâtes au pesto, ouais, quoi. Voilà. C'est des trucs un peu élaborés, vraiment très italien, donc on a envie de pâtes. On a toujours envie de pâtes, Juliana et moi. Ouais, c'est vrai. C'est donc en fait, c'est une petite soirée pyjama. En perspective, en fait à chaque fois avec Juliana on se fait des petites soirées, ouais, pyjama, vrai, comme tout ça. Le temps. On regarde des films, on se raconte nos vies, ouais, qui sont très palpitantes parce qu'on s'est pas vu depuis 4 jours. Il y a des informations qui fusent, ouais, genre, tout le temps. Tout le temps en vocal, tout le temps, tout en plus, je suis tout le temps en train de te répondre quand je parle, oui, avec toi. Mais ouais, c'est vrai, mais tout le temps, on s'envoie tout le temps des messages. On est première meilleure amie numéro 1, toutes, ouais, les deux sur Snap. Mais alors, parce que en fait, on a un peu la même personnalité quand il s'agit des détails. Ouais, et souvent, aussi, on a besoin de se rappeler tous les détails. Mais vraiment des détails, mais tellement nuls. Je vais l'appeler, je vais lui dire « Oh mon Dieu, tu sais pas ce qu'on m'a dit, que tu m'as dit, qu'elle m'a dit sur moi. » Et en fait, on se truc... Pas trop expliquer. De détails, ouais. Tout vraiment, quand on se raconte une histoire, on se raconte les gestes de la personne, ce, voilà, qui se passait, le contexte, tout ça. Enfin, c'est vraiment très dans les détails. En plus, alors du coup, on a fait une commande Uber Eats, donc comme on vous disait tout à l'heure, dans un resto italien pour des pâtes. Et Jasmine a pris des pâtes carbo. Par contre, montre la photo. Ça nous est arrivé dans un état catastrophique. Ouais, je sais pas ce qu'il a fait, le livreur. Donc on a envoyé une photo à Uber Eats. Vraiment comme là, ça, un déchiré, nous l'a, ouais, donné. Tout déchiré. Donc la boîte est un peu tachée, mais bon, les pâtes ont pas été touchées. Du coup, ça devrait, ouais, aller. Mais là, apparemment, on peut envoyer une photo à Uber Eats pour se plaindre. Bref. Et les miennes, c'est des pâtes. Comment ça s'appelle? Ragoût avec de la viande et de la sauce bolo. Enfin, ça a l'air trop trop bon. Du coup, voilà voilà. Et
Hello, alors on est lundi, donc le lendemain de ce que vous avez vu précédemment. Hier soir j'ai complètement oublié de continuer à filmer après qu'on ait mangé. On s'est juste posé dans mon lit, enfin, rien de bien intéressant. Et du coup là Yasmine est en train de se préparer, on va pas tarder à sortir. Ce qu'on a prévu aujourd'hui c'est se promener un peu parce qu'il fait assez beau, il y a du soleil pour le moment. Donc on va profiter d'une belle journée pour aller prendre l'air comme on a fait hier. Et... oh, il y a un petit chien trop mignon. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que juste en bas de chez moi il y a une aire de jeu pour chien. Je vais vous montrer, il est trop mignon. Je sais pas si vous verrez bien, il est trop mignon. Il joue avec sa petite balle, j'adore. À chaque fois je me régale, je regarde toujours les petits chiens qu'il y a dans l'aire de jeu juste en bas, c'est trop drôle, j'adore. Je me laisse très facilement distraire par les petits animaux. Bref, du coup je disais, on va pas tarder à sortir, donc encore une fois je vous emmène avec moi aujourd'hui pour vous montrer ce qu'on va faire. Et voilà. Alors ça y est, on est prête à partir. Entre temps le soleil est parti, mais bon il pleut pas donc ça devrait aller. Du coup tenue du jour, j'ai mis mon fameux chapeau dont vous avez entendu parler dans la dernière vidéo, un sweat, cette veste, un jean, mes baskets mage et mon petit sac. Voilà, c'est parti. Alors là on est en train de se promener depuis tout à l'heure. On a marché de chez moi jusqu'au pont de Waterloo, donc on a traversé le pont. Ensuite là on arrive à Piccadilly et il n'y a vraiment personne. Aujourd'hui ouais. Les rues elles sont complètement désertes. Donc on s'est dit en même temps c'est lundi alors que hier, bon ben en dimanche les gens ils sont sûrement sortis se promener. Alors que là ils doivent travailler soit de chez eux soit au travail. Et c'est vraiment bizarre, on s'est dit c'est une ambiance apocalyptique. Ouais, vraiment, c'est trop bizarre. Il y a des zombies dans la ville, ouais. Comme ça. Là les trottoirs ils sont vraiment vides. J'ai jamais vu Londres comme ça. C'est super triste. Ouais. Alors là on est devant chez Fortnum & Mason, donc c'est un grand magasin un peu comme... à quoi on pourrait comparer ça? Un peu les Galeries Lafayette. Ouais mais plus avec de la nourriture. Il y a des habits. Le premier étage c'est nourriture, le deuxième étage c'est genre habits, sac à main et tout. Après, ah ouais c'est vrai. Et après il y a alcool. Ouais un peu les Galeries Lafayette à l'anglaise quoi. Avec, et ouais. Tous les ans en fait et, je sais pas si... façon plus chic aussi. Oui aussi. Je sais pas si vous verrez bien mais là sur les fenêtres on voit des chiffres. En fait tous les ans sur ce bâtiment il faut un calendrier de l'Avent avec les chiffres sur chaque fenêtre comme les cases d'un calendrier et je trouve ça super beau. Et ensuite là on va s'approcher, je vais vous montrer, ils ont fait toutes les vitrines là avec les décos, j'adore. C'est super joli ce qu'ils ont fait là dans les vitrines, donc là vous pouvez voir la date de l'année et en fait là ils présentent la couverture du catalogue de l'année 1930 et donc ils ont fait une représentation visuelle de ce à quoi ressemblait le catalogue de 1930 et du coup là plus on avance plus on voit les différentes années, ici à l'année 1934 ainsi de suite. Je vous montre ça avec une jolie petite musique. Là on est rentré chez Fortnum & Mason, vu qu'ils vendent de la nourriture, c'est toujours ouvert et c'est super beau, il y a plein de déco de Noël et tout, j'adore.
Vous avez devant vous les deux plus grandes fans des robes Elisab. Et là on vient de tomber devant la boutique, je sais pas si vous connaissez, c'est un grand couturier qui fait toutes sortes de robes de soirée et principalement des robes, enfin de, nous on adore ces robes de mariage. Et là rien que celles-là qui est en vitrine, elles sont magnifiques. Elles sont incroyables, ouais. Les détails. Dans l'appareil photo ça rend pas pareil, mais celle-là elle est toute brodée avec plein de paillettes. Et c'est trop beau. Et là-bas, je sais pas si vous la verrez, celle-là, il y en a une, elle est hyper bouffante. J'adore. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely. Alors là on est sur Oxford Street, bon ce qui est dommage c'est que tous les magasins sont fermés donc il n'y a pas grand chose à faire sur Oxford Street à part les magasins, mais ils ont mis toutes les lumières de Noël donc c'est super joli. Là il est 16h, on vient de s'arrêter prendre des cookies chez Ben's Cookies, ils sont super bons. J'ai pris chocolat au lait et praline, donc il y a des espèces de noisettes à l'intérieur. Il est hyper moelleux, j'adore, trop trop bon. Keeping people please, but this is my favorite holiday. It's a chance to start over new, 'cause I missed you so. I'm letting go of everything but you. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Je viens d'arriver chez moi, en remontant je me suis arrêtée à la réception pour voir si j'avais des colis. J'en ai reçu deux, donc je vais ouvrir ça et je vous montre. I would say we were good together. Alors ça c'est un colis de la marque BioBay, donc c'est un partenariat, ils m'ont envoyé quelques produits, du coup je vais vous montrer. Je voulais vous montrer l'unboxing parce que c'est super joli. Ils m'ont envoyé ces deux petits produits, il y a un gel crème hydratant et un soin exfoliant pour le visage et les lèvres. C'est la première fois que je teste cette marque, ils m'avaient contacté il y a quelques semaines pour me proposer un partenariat et on va organiser un concours ensemble sur Instagram. Donc je vous mettrai mon Insta juste ici, n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir le concours parce que je pense que ça pourra vous plaire. Donc voilà pour le premier colis, maintenant j'ouvre le deuxième et je vous montre. Le deuxième c'est un colis de la part de mes grands-parents, donc ils m'ont envoyé des produits de Corse, donc là ils m'ont mis une petite carte postale avec un mot écrit derrière. Ensuite ils m'ont mis des clémentines, j'adore les clémentines et à chaque fois en automne j'ai trop hâte d'en manger parce que c'est vraiment un de mes fruits préférés et celles de Corse elles sont vraiment très bonnes. Ensuite on a de la confiture de figues, ça j'adore le manger avec le fromage corse ou le fromage blanc, enfin vraiment en accompagnement avec le fromage, la confiture de figues c'est trop bon. Et ensuite ça c'est des biscuits traditionnels corse, donc on appelle ça des canistrelli, c'est des petits biscuits comme ça, c'est super bon à tremper dans le lait par exemple, moi j'adore faire ça. Et ceux-là ils sont à la farine de châtaigne, mes préférés, j'adore. Depuis que je vous ai laissé, j'ai posté ma photo du soir sur Instagram qui était un réel. C'est une petite vidéo que j'avais faite avant le confinement. Donc vous pouvez la retrouver sur mon profil Insta dans la catégorie réel qui est juste là sur mon profil. Et vous avez toutes les petites vidéos comme ça de ce genre. J'aime beaucoup cette nouvelle fonctionnalité d'Instagram. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est des petites vidéos de 15 secondes. Je trouve que c'est assez sympa et divertissant comme contenu. Donc j'aime bien vous en faire en ce moment. Ensuite après avoir posté ça j'ai été me doucher et maintenant il est 8h30 donc je vais manger. J'ai pas trop faim donc je pense que je vais juste me faire des pâtes avec du pesto rouge et voilà. Je
Je viens de finir de manger, j'ai fait la vaisselle. Du coup je vais arrêter cette vidéo ici parce que là je vais juste me mettre dans mon lit et continuer de regarder la vidéo de Léna Situation sur la Fashion Week. Elle vient de la sortir et elle montre toutes les coulisses, tout ça, j'adore. Et ensuite je pense que je regarderai une série ou un film, quelque chose comme ça. Je vais pas me coucher trop tard parce que demain j'ai cours en visioconférence. Même si c'est en visioconférence, il faut quand même que je me lève. Du coup voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de me suivre pendant tout mon week-end et je vous retrouve mercredi prochain à 13h pour de nouvelles aventures. Bisous.